Qui c'est qui fait le mariole à Abidjan, là, avec ses 3 hélicoptères? En Côte d'Ivoire, non, mais la France est là-bas pour défendre les droits de l'homme. Hein. Laurent Gbagbo a perdu l'élection, il doit partir. Nous aussi, on ira qu'on y était pour les droits de l'homme. Oui, mais nous, on y est pour établir la démocratie. Comme nous. Quoi d'autre? Bah, vous, vous êtes allé pour des intérêts économiques et pour le pétrole. Appelle-moi en Côte d'Ivoire, qui contrôle l'eau, l'électricité, le téléphone et les grands ports du pays? Ah si, ça y est, je me souviens, c'est les fromages qui puent, Orange, Bolloré, Bouygues. Oui, peut-être un peu. Ah, te fous pas de ma gueule, hein. Vous avez tout, même le PQ, les bleus, blancs, rouges là-bas. Ça n'a rien à voir, ce sont des entreprises françaises installées depuis longtemps et elles permettent à la Côte d'Ivoire de se développer. Arrête, c'est des publicitaires français qui ont fait la campagne de Gbagbo. Ses avocats sont français. Bon, pas vrai. Si, si, si. Et comme il a paumé militairement, vous avez retourné votre veste au dernier moment pour sauver tout ce que vous avez là-bas. Ah bon, ça s'est vu? Bah ouais. Mais vous dites ce soir, le départ de Laurent Gbagbo n'était pas le but recherché hier soir. Notre but, c'était que Alassane Ouattara devienne le président effectif de la Côte d'Ivoire, ce qui impliquait bien sûr le départ de Ouattara, 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 le départ de Gbagbo, naturellement, ça va de soi. Le départ du pouvoir. Le départ du pouvoir, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.